Et bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous? Moi c'est nickel, j'espère que pour le même on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de mon let's play sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Et j'ai galéré à dire le titre, c'est beaucoup trop long. Épisode 31 les amis, ça commence à faire beaucoup. Si le son du micro change durant l'épisode, c'est simplement parce que j'ai un problème. Mon micro, je crois qu'il est en train de rendre l'âme, c'est-à-dire que je crois... il se déconnecte tout le temps, du coup j'ai lancé un autre enregistrement avec mon micro casse, j'ai prévu le coup. Du coup je pense que ce sera mon prochain investissement, le micro. Je pense que je m'en rachèterai un mieux, et puis un neuf surtout, parce que ça fait longtemps que je le traîne là pour le coup. Ça va faire 4 ans je pense, un peu plus, parce qu'il avait déjà un d'occasion, enfin bref. En apprenant la vérité sur Itachi, Naruto est abasourdi. Pourquoi Sasuke désire-t-il autant se venger? Reviendra-t-il un jour dans l'équipe 7? Les pensées se bousculent dans l'esprit de Naruto. Sasuke, お前もう直接ナルト、あれ、あんたに話があるの。今だからナルト、あんたのことは人が告白してんだからちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体別に何も。確かに前の私は、でも抜け人で犯罪者である。それよりも私にとってナルト、いつも私のそばにいて私を支えてくれる。私はナルトだから。ナルト、あんたももうサスケ君は私たちのところには戻らない。いい加減にしろさくらちゃん。俺は私が苦しい言い訳にしか聞こえねえ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。私はもし仮にさくらちゃんがそう思っていても必ずサスケは連れ戻す。もういい。さくらちゃん、さっきのさくら、そうか。一体何が。さくらは無意味な行動をしない子だ。意味っつっても、サクラちゃんと話したのはサスケのこととかで。サスケか。ナルトの話を聞くに、サクラ、そしてお前への告白、まだ断定するには早いが、今あることって。サクラは自分の手、つまりサクラはサスケを倒すために。ああ。なんでそんな。お前も知っているだろう。もう木の葉はサスケを容認できなくなっている。サクラはそれぞれの。でもサクラ大好きだからこそ、このまま。そんな。ナルト、ok, enfin fini le blabla. Et là on arrive vraiment vers la fin. Alors à mon avis on va avoir une mission avec Sakura, une avec Naruto, une avec Kakashi et une avec Naruto. Je pense que le prochain épisode ce sera la fin de l'histoire. Et je pense que j'irai jusqu'à l'épisode 40 en fait, avec entre guillemets le 100%. Bref, la dessin animation de Sakura a bouleversé Naruto. Comment pourra-t-il ramener Sasuke et reformer l'équipe 7? La réponse est encore invisible. サスケのことを知ったナルトの胸中は
ナルト。ガーラ。お前たちにすぐに聞いてもらわなければなら。そうか。それにしてもサスケは。ナルト、これはお前を守るための戦争でも、暁の配下としてサスケが忍び連合の前、サスケはお前を見ようとはしていない。サスケの友としてお前ガーラ、俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとってだが、お前と会って気づかされた。その意味することが何、お前はサスケのために何をし、ではな。ナルト。ナルト。おい、ナルト。大丈夫か、ナルト。サスケ君は…よし。Ok, enfin on joue, et elle est que niveau 5, si j'avais su j'aurais mis des cartes. Aller vers l'orée de la forêt. Faut faire un putain de détour, quoique non en fait si, un petit peu, mais ça va. Bon je sais pas si, à mon avis on va tomber sur des proto-ninjas. Mais est-ce qu'on peut aller directement au fin fond de la forêt? C'est une question que je me pose. Des renforts ennemis apparaissent, je pense qu'on va avoir une barrière. Non, c'est pas juste ça la mission, c'est ça, c'est de la grosse carotte. Hein. Lee apparaît. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens, ok. En gros, elle veut s'occuper de Sasuke tout seul. Mais en fait, il y a Lee, mais en vrai, il n'y a pas que Lee. Oh, niveau 39, comment je vais faire? Oh si, ça va, j'ai fait des dégâts quand même. Hop là, truc du cerisier. Hop là. Oh, attendez, je vais aller prendre le bonus d'attaque, surtout qu'avec Sakura. Hop là, on va charger l'aspect. Bordel. Ok. Oh parfait. Il s'avance un petit peu. Donc choc du cerisier brûlant. C'est parfait. Il perd énormément de vie. Ok, c'est chaud. En tout cas les amis, je suis vraiment content parce que bah, Naruto s'il vous plaît toujours autant, je pense que je le dis à chaque épisode, mais c'est un plaisir pour moi de tourner cette série encore plus que les autres parce que j'ai des retours, d'ailleurs j'ai des commentaires à chaque vidéo. Là par contre je me fais marave. Donc franchement je vous remercie vraiment. C'est un truc de fou. Ça me fait vraiment plaisir.
Bah, je pense que c'est un peu la... Bah, c'est la série qui a le mieux marché sur ma chaîne. Hein. Tous les épisodes font à peu près 100 vues en un peu plus d'une semaine. Ok, là, j'ai bien fait de faire ça. Je peux partir, là, ou pas? Hop, c'est bon. Ok, c'était vraiment une petite mission. Il y a beaucoup de blabla, malheureusement. Alors, nouvelle carte. Hiroka se bat. Ah, ok... Oui, sauvegarder les données de jeu. Hop, on va sauvegarder également. Comme ceci avec un nouveau slot. Et encore du blabla, mais là ça devient bon. Et par contre, il y a beaucoup de blabla. Ça commence à me saouler un peu dans le jeu. Par contre, je vous préviens, quand je ferai les missions bonus, je passerai tous les blabla. Parce qu'en plus, ça reprend les mêmes missions, mais d'un point de vue différent, si vous voulez. Donc j'expliquerai moi-même, grosso modo. Hein. Sasuke a accompli la première étape de sa vengeance en tuant Danzo. Sa prochaine cible est Konoha, mais il est gravement blessé. Karin s'inquiète de l'état de Sasuke, mais...俺に意見する気か?短い付き合いだったな、カリン。どうしちまった?サスケ君!サクラか、何しに俺の前に?私もサスケ君について行く。お前が俺についてきて何の得がある?何も企んでなんかない。 ただ私はサスケ君と一緒にいたいだけ。サスケ君の望み通りに動く。だからお願い。一緒に。こいつ昔の仲間か。俺の望みを知っているのか。そんなの何だっていい。私はサスケ君の言う。この葉を潰す。それが俺の望み。<笑> お前は本当に俺のために。サスケ君が。なら、この女、カリンを始末。どうした?こいつはもう俺にとって必要ない。サスケ。どうした?サク。この人は関係ない。今。 サスケ君を倒せば。できないみたいだ。だったらお前も不要だ。サスケ。サスケ。かかし先生。今のサスケ。 本気の殺意だった。カカシか本気で桜を。 Ok les amis, le blabla c'est fini. Donc là c'est du point de vue de Sasuke là. Alors, je vais faire la mission de Naruto parce que là. Ok. Et faire la mission du point de vue de Naruto pour cet épisode, parce que c'est pas scénaristique. Enfin, ouais, là c'est juste il se met en route. Et du coup dans le prochain épisode je ferai celle-ci, et je pense que ce sera la dernière mission après. Naruto contre Sasuke, du coup on va faire celle avec Naruto. Angoisse, colère, inquiétude, les émotions se bousculent dans l'esprit de Naruto à tel point qu'il finit par s'évanouir. Incapable de voir son avenir ou son objectif, Naruto Uzumaki s'écarte du chemin.
目が覚めたかい？ヤマト隊長。君は過呼吸を起こして。そうか。加賀先生は。先輩は桜。そうだ、桜ちゃん。おっと。気持ちはわかるけど、加賀先輩の命令でね。君。大丈夫さ。先輩に任せて、僕らは僕らのできることをやろう。わかったってばよ。今は我慢だよ。いい。それじゃ、木の葉に戻ろうか。おす。僕らは僕らのできることをやろう。俺にできること、木の葉に戻って。いや違う、俺のやるべきことは、俺はサスケのとこに、それでもう一度サスケ、それが、ごめん山田隊長、俺やっぱり行くってばよ。さくらちゃん、加賀先生、待ってろよ。 Ok, alors je pense que ça va être le même type de mission que ça pourra. Atteignez l'objectif avant la fin du temps. Ok. Ok, ok, des protéines déjà apparaissent. C'était là. Ok, alors je pense... Des renforts animés apparaissent, ok. C'est juste ça? Non. Non, c'est une blague. Oh non. Attends, je voudrais juste voir mon rang. Temps et dégâts en S. Ah, en fait, moins on fait de dégâts, plus victime 0. Ouais, mais ça fait un rang B, mais c'est un truc de ouf. Il y a des missions, tu peux les rush comme ça. Mais ça, c'est juste des missions pour ajouter un peu de durée de vie au jeu, hein, c'est tout.答えがわかる気がする。衝撃がここまで。よし。Les données de jeu, oui. Données écrasées, machin. Ok, du coup, les amis, on s'arrête là pour cet épisode de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Il est un petit peu plus court que les précédents, je m'en excuse, mais de toute façon en plus il me faut des épisodes parce que je vais partir en vacances. Et du coup voilà, du coup dans cet épisode vraiment que du blabla, je suis désolé mais enfin, c'est le jeu aussi. Hein. Ça c'est chiant au final parce qu'on a plus envie de jouer que de voir les blabla. Mais ce chapitre est extrêmement long, je pense que c'était le chapitre le plus long, parce que lui il était très court. Ouais, il était très cool. Alors voyons voir le retour, par exemple, ce qui me manque pour faire le 100%. Ah bah ça, genre, je l'ai jamais fait. Ça, c'est fait. Lui. Faut genre acheter ça. Après, il y a une mission à faire et c'est bon. 92%, ouais, il n'y a plus que la mission à faire, donc le 100% ça va être rapide. Dans le chapitre 2, il y a deux missions à faire, quoi. Et ouais, celui-là, par contre, il y a la porte là. Je sais pas ce que c'est. Condition, ouverture. Infiltration au village des nuages. Personnage. Ok, ok.
On essaiera de faire tout ça, donc je vous remercie vraiment, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos justement. Ciao ciao.